déjà, par rapport à la saison dernière, je propose qu'on savoure un peu plus le début de saison. Là, c'est un peu mieux. Oui, un peu mieux, c'est sûr. Même si c'est que le début, il faut pas s'emballer, mais c'est sûr que c'est on a mieux démarré que la saison dernière. Ce match de Laval, cette première victoire là, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que le groupe en retient de ce match, de cette première victoire? Content d'une première victoire, de retrouver notre stade, de retrouver notre public déjà. On a été content de l'état d'esprit qu'on a mis sur le terrain, de s'être battu encore une fois, comme j'ai pu le répéter auparavant, mais c'est important pour moi aussi. C'est qu'il y a un très bon état d'esprit dans le groupe. On a pu le voir et le montrer à tout le monde ici contre Laval, malgré que le match n'ait pas été parfait dans tous les domaines. Mais en tout cas, ce point-là, j'aimerais le soulever parce qu'on s'est battu ensemble et on est allé chercher la victoire ensemble. Bon, ça se passe comment dans le groupe, justement? Ça se traduit comment, cet état d'esprit? Parce que, bon, on voit le résultat là, sur la pelouse, mais la vie au quotidien, ça passe quand même pas mal de temps ensemble. Comme j'ai pu le dire là, elle est très bonne. La vie au quotidien est bonne, la vie en dehors aussi est bonne. On s'entend tous très bien, tout se passe bien. Et il y a un très bon état d'esprit aussi. Il n'y a pas que l'amusement ou de bien s'entendre. C'est qu'on se dit les choses et surtout, on travaille. On est là pour travailler, que ce soit le plus jeune ou le plus ancien. On travaille tous et ensemble. La première victoire arrivait beaucoup plus tôt que l'année dernière. Qu'est-ce que ça change finalement pour vous de débloquer le compteur si tôt maintenant? Ça change beaucoup, ça change l'aspect psychologique dans les têtes, c'est que du positif. Donc voilà, comme j'ai pu le dire aussi, c'est que pas tout n'était parfait, on va dire, contre Laval. Mais en tout cas, le fait d'avoir pu gagner ces 3 points aussitôt par rapport à la saison passée, ça fait du bien à la tête. Et voilà, on travaille dans un autre état d'esprit et on y va un peu plus positif contre Concarneau aussi, donc pas toujours après le premier résultat ou tout ça dans les têtes, donc on sait que ça y joue beaucoup, même si des fois il faut passer au-dessus, mais c'est difficile, et là voilà, on y va un peu plus tranquille dans nos têtes. Qu'est-ce qui reste encore à travailler? Tu disais que tout n'a pas été parfait, donc forcément c'est-à-dire qu'il y a des choses à peaufiner, forcément encore, les choses les plus importantes à corriger rapidement peut-être? Corriger rapidement, je sais pas, je suis pas coach, c'est le coach vous le dira lui-même, mais entre nous, ouais, peut-être essayer de jouer un peu plus, surtout qu'on a la possibilité de pouvoir le faire. Je parle perso et au nom du groupe aussi, les joueurs pourront le dire aussi et le confirmer, c'est que voilà, il y a un groupe où on peut faire mieux techniquement avec le ballon, ressortie de balle et tout ça, mais après voilà, je vous dis, si toute l'année on fait les mêmes matchs contre Laval et on gagne 1-0, je prends aussi. Tu fais partie des joueurs qui ont vécu la saison dernière, qui a été longtemps assez compliquée. Est-ce qu'il y avait parmi voilà, ceux qui sont encore là, cette envie aussi de justement de ne pas revivre cette saison qui a été longtemps très, très compliquée? Enfin, mine de rien, j'imagine que pendant l'été et tout, on y pense, on se dit bon allez, quand ça rattaque, là, faut vite qu'on développe les compteurs, vite qu'on prenne des points, etc. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur, ça, et les plus anciens, on va dire? Oui, les anciens du club, oui, les joueurs qui étaient là la saison passée et qui sont encore cette année-là, oui, c'est sûr qu'on avait à cœur de prendre le plus rapidement, quoi, de faire le plus rapidement notre première victoire comparé à la saison passée. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a toujours à cœur de ne pas recommencer la même saison que l'année dernière. Ce n'est pas parce qu'on a fait une victoire que voilà, c'est fait, notre objectif est atteint. Non, pas du tout. Donc voilà, on a à cœur de faire beaucoup mieux que la saison qui vient de passer. Est-ce que contre Concarneau, là, ce week-end, j'ai un déplacement. Est-ce que c'est le match peut-être référence et un club qui a débuté comme vous, avec une victoire et un match nul, pas dans le même sens, mais voilà. C'est le premier test, peut-être quelque part. On arrive à la troisième journée. Il y a eu y a des clubs qui n'ont pas encore gagné, d'autres qui sont sur le même rythme. Ouais, bon, de toute façon, tous les matchs qui vont arriver vont être des tests. Hein. Pas que Concarneau, quoi, pardon. Et après, maintenant, on sait que c'est une équipe qui est athlétique, qui va être difficile à bouger chez elle. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu ce style d'équipe-là. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de faire le bon match là-bas, d'y aller, concentrer. On sait leurs points forts, on sait leurs points faibles. Et maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire sur le terrain. Pas forcément des bons souvenirs, hein, l'année dernière. Oh, le match là-bas, il a été positif. Au match retour où on fait 0-0, je crois, c'est ça, 0-0. On fait un bon match là-bas, ça nous lance un peu. On retrouve un peu l'état d'esprit, tous ensemble, de se battre, de défendre ensemble. Donc,
Bah, après, à domicile, oui, je sais plus comment on avait fait à domicile, 2-2, non ouais, non, on perd. 4-2. On perd 4-2 chez nous en menant 2-0. Ouais, celui-là, il était un peu plus difficile, ouais. Et moins bien passé, mais. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Pas trop des bons souvenirs. Après, le retour un peu mieux. Ouais. Tu disais vous avez à cœur de faire mieux que l'année dernière. Du coup, c'est quoi un petit peu l'objectif de l'équipe? C'est vrai que dans le championnat, c'est dur de déclarer des choses un peu, mais c'est un peu au fond. C'est dur de se projeter, de dire on joue telle place ou telle place. C'est très compliqué maintenant. Dans ce métier, il faut être ambitieux. Il faut avoir des ambitions qui sont des fois parfois hautes, mais qui sont jouables. Donc voilà, on sait qu'on a un très bon groupe, on sait qu'il faut qu'on travaille par contre, on n'est pas les meilleurs. Il y a des équipes qui ont fait un recrutement pour pouvoir monter, qui l'assument, qui le disent clairement. Nous, voilà, aujourd'hui, on est là, on va travailler, on va prendre match après match et après on verra. Maintenant, l'objectif, c'est de moins souffrir et espérer de ne pas souffrir du tout comme la saison passée. On sent que, c'est vrai que le coach en parle aussi, il parle beaucoup de l'homogénéité du groupe cette saison. Justement, qu'est-ce que ça, en tant que joueur, qu'est-ce que ça change un peu? C'est vrai que quand on voit l'effectif, on se dit bah ça doit être dur de faire des choix, peut-être plus encore que l'année dernière, quoi. Comment, en tant que joueur, justement, on le vit ça? Je sais pas, est-ce qu'il y a un côté moins confortable peut-être, ou est-ce que ça transcende plus? Perso, ça aide à la concurrence, ça aide à travailler plus, ça aide à, malgré que j'ai 32 ans, ben. On sait que tout le monde mérite de jouer, donc voilà, ça crée quelque part une force aussi, ça nous fait travailler plus la semaine, et puis mine de rien, quand on est sur le terrain, ben, il faut y penser, aux mecs qui restent à la maison ou aux mecs qui sont sur le banc aussi, il faut y penser, ça donne de la force aussi aux copains qui restaient à la maison et qui méritaient d'être là, donc tout faire pour prendre les 3 points, parce qu'aujourd'hui, même celui qui reste à la maison ou qui n'est pas dans le groupe, ben, il sera content qu'on prenne les 3 points. C'est se servir de ça, d'une force. Maintenant, c'est sûr, j'aimerais pas être à la place du coach pour faire les choix, parce que c'est compliqué. Mais nous, en tout cas, en tant que joueurs, nous, on est soudés, on est ensemble, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut penser à celui qui reste à la maison et donner le maximum sur le terrain, et voilà, montrer qu'on mérite, nous aussi, d'être là, ce jour-là. Et puis le prochain, c'est peut-être lui qui sera là, il fera pareil, en pensant à nous. Et le groupe de cette année, tu le sens peut-être un peu mieux armé? Bon, il y a, alors, pour ceux qui étaient l'année dernière, il y a cette première année d'expérience, hein, pour ceux qui n'avaient pas connu le national. Mais là, après 2 matchs, après les matchs amicaux, quel regard, hein, portes-toi sur ce groupe 2021-2022? Différent par rapport à la saison passée. Si on prend exemple sur la saison passée, il est différent en termes de qualité et tout. Déjà, on est moins dans le groupe. On est moins, donc c'est pour ça aussi que tout le monde peut jouer, a le niveau d'aller jouer en national le week-end. Donc voilà, c'est totalement différent. C'est dur à expliquer le pourquoi et le comment, mais c'est un groupe qui est différent, malgré que la force reste toujours la même, c'est qu'on est solidaire. Et ça, c'est l'image du club, c'est ce que le club veut mettre en avant, cette mentalité-là d'être ensemble, d'être soudé et de rien lâcher et de tout donner sur le terrain. Donc ça y est encore. Maintenant, après, chacun ses qualités. Il y a des qualités différentes, il y avait de la vitesse l'année dernière, il y en a peut-être un peu moins cette année, malgré qu'il y en ait qui prennent toujours la profondeur et tout, voilà, c'est différent. Il y a un nouveau coach aussi cette année. Qu'est-ce qui, bon, comment ça se passe, puis qu'est-ce qui vous a apporté, tu peux me parler un petit peu de lui, quoi, cette façon de gérer le groupe, quoi, comme il est nouveau. C'est le début, pour le moment il gère bien. La preuve, les résultats sont là, c'est grâce à lui aussi. Maintenant, il est parti dont son discours, c'est de garder la continuité de ce qu'on a pu faire la saison dernière, quoi. La fin de partie de saison dernière, surtout. Donc, il est là-dedans et on continue là-dedans avec lui. Il garde les mêmes séances, on va dire, à peu près de travail et tout, par rapport avec Rémi, ils sont complémentaires. Donc, non, pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Parce que tu vois comme... d'intelligence d'adaptation, de s'être dit bah, ça a marché à la fin d'année sans moi et il n'y a pas de raison entre guillemets de tout chambouler, quoi. Bien sûr, je trouve ça très intelligent de sa part d'arriver, je vais pas dire sur la pointe des pieds, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un CV, qui a un passé, donc voilà, et après il peaufine avec son expérience, avec tout autour, de rajouter sa petite touche aussi. Il n'y a pas que tout ce qu'on a fait l'année dernière, il y a ce que ça, et il se dit allez-y, faites, il fait pas que ça, il rajoute aussi des choses à côté, donc ouais, c'est une part d'intelligence et pour le moment, ça marche, donc
on va continuer comme ça. Là que ça marche. Toi, à titre plus perso, qu'est-ce que tu vises un petit peu cette année, tout simplement? En fait, tu as fini meilleur passeur, hein, ouais. Ouais, bah, continuer. Rester meilleur passeur, ça serait bien. Et peut-être quelques buts en plus. Surtout que j'en avais qu'un, donc ça serait bien d'en mettre un peu plus, ouais. Donc, ouais, moins le double. Non, ouais, en plus, c'est une chose que le coach met en avant aussi avec moi individuellement. Donc, ouais, voilà, à cœur d'essayer de mettre des buts. Et j'ai ça en tête de marquer beaucoup plus que la saison dernière et dans la continuité sur mes passes décisives, ça serait bien. C'est vrai que tu as toujours le brassard, c'est vrai que quand ça change de coach, des fois, il y a des changements de ce côté-là. Est-ce que tu as craint pour ton capitana ou est-ce qu'à l'inverse, tu es heureux de le garder Non, je suis heureux de le garder. Maintenant, craint, oui, comme tu dis, un coach qui arrive, on ne sait pas ce qu'il a en tête, on ne sait pas, il peut avoir ses idées en ayant vu la saison, surtout qu'il était dans notre championnat et il nous a suivis aussi. Donc, ouais, je me suis posé la question, est-ce que je vais être capitaine? Donc après, au final, ça s'est fait. Sans avoir eu trop de discussions avec lui, en me disant « oui, t'es le capitaine », ça s'est fait naturellement derrière. Et je pense que ça rejoint ce que je vous ai dit, dans le sens où il nous a fait le discours en disant « on reste sur la continuité de la deuxième partie de saison ». Et je pense qu'il a gardé ça aussi comme ça, pour pas changer ça. C'est quelque chose d'important pour toi, ça, le brassard Bien sûr, c'est important. Après, je sais que c'est John le capitaine. Pour moi, dans ma tête, c'est John Concalves le capitaine. C'est le vrai capitaine du club du FC Annecy, c'est John Concalves. Maintenant, aujourd'hui, on me l'a donné. Bah voilà, je suis fier de porter ce brassard-là et de le représenter dans la France entière, au niveau national, et j'espère même plus haut. C'est un peu notre objectif aussi. Donc voilà, moi, je suis fier de porter ce brassard-là. Et